avons signé notre 5e accord en faveur des personnes en situation de handicap. Nous avons plusieurs axes, notamment le plan d'embauche, qui va toucher tout le recrutement en fait, donc stage, alternance, CDI, la partie insertion et formation, la partie maintien dans l'emploi. Il ne faut pas l'oublier, effectivement, on doit recruter des personnes en situation de handicap, mais on doit surtout les maintenir aussi dans l'emploi. Au-delà d'un sujet entreprise, c'est un sujet sociétal fort. On se rend compte que la plupart des personnes pensent que parce que je suis en situation de handicap, je ne peux pas évoluer au sein d'une société, je ne peux pas avoir accès à l'emploi. Il faut promouvoir l'égalité des chances pour pouvoir justement faire changer le regard et lever les tabous. Ça passe par de la sensibilisation, ça passe par de l'accompagnement des jeunes. Christian Grappin est directeur de Tremplin Handicap. Il y a 8 ans, il a lancé le concours vidéo Handicap étudiant tous en scène pour changer le regard porté sur le handicap et encourager la réussite académique des jeunes en situation de handicap en montrant que handicap et études supérieures, c'est possible. Faire changer le regard sur le handicap, c'est pas important, c'est capital. On voit qu'il y a encore énormément de travail à faire et ce travail, il faut le faire au plus tôt. Toucher les étudiants, c'est déjà leur donner une longueur d'avance quand ils intégreront les entreprises. La mission handicap chez Fenoclinde, c'est des réponses à des questions qu'on se pose. Il ne faut pas hésiter à postuler, à venir nous rejoindre. C'est une vraie valeur chez Fenoclinde. Et votre handicap passera au plan secondaire.